Sachant que je n'ai pas l'option chaude dans mon évier.
de la salle de bain. Un petit peu le parcours que je vais prendre pour ces prochaines années. Donc, mais en fait, je suis à la haute école maintenant pour être prof de langue. Donc, comme ici je vis en Belgique, les deux langues que tu peux apprendre, que tu peux enseigner sont l'anglais et le néerlandais. Ou alors anglais-allemand, mais c'est beaucoup plus rare. Donc j'ai pris anglais-néerlandais. À la haute école, on est quand même un peu plus suivi qu'à l'université. C'est un peu... on est autant suivi qu'en école secondaire, niveau cours et tout. On n'a pas de journal de classe attribué, on n'a pas... Dans mon école secondaire, je ne sais pas si c'est dans toutes les écoles secondaires, mais en tout cas dans mon école secondaire, on avait un journal de classe de l'école. On avait un journal de classe de l'école que tout le monde avait. En plus, il était très moche. Il était bleu foncé et orange. C'était trop moche. Mais bref, dans ce journal de classe, il y avait les 10 premières pages, c'était les règles d'or de l'école. Ensuite, on avait les jours de la semaine. Et chaque jour, on devait noter tous les cours qu'on avait ce jour-là. Donc, par exemple, je sais pas, à 8h30, on a... je sais pas, cours de science, on devait écrire ce qu'on avait appris en cours de science pour ce jour. Et c'était comme ça, à chaque heure de cours, il fallait écrire tout ce qu'on avait appris ce jour-là et aussi des devoirs pour les autres jours. Et aussi, il y avait dans notre journal de classe les cotes, les retenues, les heures de retenue, les mauvaises notes, notes à l'ordre, notes de comportement, les jours d'absence, les petits billets d'absence. Et donc voilà, c'était comme ça en secondaire. Et ici, à la haute école, c'est pas du tout ça. On n'a pas de journal de classe, on n'a pas d'agenda. Ils te donnent quand même un agenda de l'école, mais c'est pas du tout obligatoire. C'est complètement facultatif, c'est juste pour noter tes devoirs. Mais en soi, ils s'en foutent complètement. Si tu as ton propre agenda, ils s'en foutent. Si tu écris tes devoirs dans ton téléphone, ils s'en foutent aussi. Donc, ouais, il n'y a pas cette notion de règle d'or... règles d'or, règles vestimentaires, règles machin, règles de discipline à l'école. Il n'y a pas de mauvaises notes, il n'y a pas de billets d'absence. Il n'y a pas de billets d'absence. Ils prennent quand même les présences. Ils prennent quand même les présences, mais tu n'es pas pénalisé si tu es en retard ou quoi. Tu n'as pas une note de retard dans ton journal de classe parce qu'il n'y a pas de journal de classe. Désolée, il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais ça me fait rire parce que ce matin, quand j'étais en train de rêver que j'étais en train de discuter avec quelqu'un, et à un moment donné, le téléphone de l'autre personne sonne, enfin il vibre. Et moi, dans mon rêve, j'étais en mode, attends, je vais attendre que ton téléphone arrête de sonner, comme ça je continue de te parler. Et en fait, 10 secondes se sont écoulées. Et j'étais en mode, mais non, mais attends, c'est pas ton téléphone qui sonne, c'est le mien, je dois me réveiller, c'est mon réveil. Ça me fait rire parce que j'ai entendu mon réveil sonner. Enfin, c'est le vibreur. C'est le vibreur pour pas réveiller les autres gens de la maison.
Mais ouais, c'était mon vibreur. Et je l'ai entendu dans mon rêve. Et je me suis dit, attends, ça vient de moi. Je dois me réveiller. Alors que j'étais en plein rêve. Je suis censée être spectatrice de mon rêve, pas savoir que mon réveil qui sonne, c'est le mien. Enfin voilà, c'est bizarre. J'ai pris 168, j'ai pris le mauvais bus. En fait, j'ai besoin d'un 68 pour aller à Liège, sauf que j'ai pas regardé la destination marquée à l'écran, et donc j'ai pris un 68 qui allait dans le sens totalement contraire de Liège. Du coup, je suis au beau milieu de nulle part. Voilà, j'ai appelé mon parrain pour qu'il vienne me chercher, mais là, c'est clair que je vais être en retard en cours. Let's go! Plus tard, ça y est, c'est l'automne. Je vais vous montrer mon outfit of the day. Il fait tellement sombre que vous ne verrez absolument rien. Et je rentre chez moi à 14h. Génial, les bus. En fait, il n'y avait pas de bus avant 13h30. Je viens, oui, et pardonnez ce pansement, je me suis coupée en essayant de couper de la baguette. J'ai juste allumé la caméra pour vous dire que je viens de découvrir que mon école a une radio. Mon école a sa propre radio, je ne savais pas du tout. Donc voilà. C'était juste pour vous dire ça.